Je vous souhaite la bienvenue à tout le monde pour la deuxième maintenant rencontre de l'après-cours FAD. La seule chose, je vais commencer, par exemple, peut-être inviter, là, pour ne pas l'oublier plus tard, dans l'ordre du jour un petit peu plus bas, on avait commencé la dernière réunion à faire un petit répertoire des intervenants en FAD et en même temps aussi un portrait de la formation à distance. Fait que c'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé de faire ça aujourd'hui pendant la réunion, mais ce serait intéressant là, à un moment donné de remplir ça pour qu'on garde un bottin là, de tous les intervenants. Si vous avez des informations sur d'autres personnes qui travaillent en FAD dans votre centre, vous pouvez l'ajouter aussi. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc, le premier point qu'on a mis. Oui, On pourrait se excuse. présenter aussi, je pense, avant, pour ceux C'est qui une ne sont bonne pas nouveaux. idée. C'est une bonne idée, c'est vrai. Je suis en train de parler qu'il y a du nouveau monde, donc je vais laisser Stéphane commencer. Donc, Stéphane Labrie, conseiller pédagogique au RICI pour la région de la Côte-Nord, donc aussi ancien enseignant en formation à distance en mathématiques. Donc, je co-anime avec Sylvain cette année. Moi, c'est Sylvain Mongeard, je suis enseignant en formation à distance à la Commission scolaire des Hautes-Rivières à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, premier point, ordre du jour 3 décembre, échange sur les outils de communication utilisés. En réalité, ici, ce qu'on veut, là, c'est vraiment, on a marqué échange, là, c'est peut-être autant un petit peu un partage où on veut garder peut-être des traces. Peut-être que ça pourrait amener un questionnement, là, si certains ont des questionnements par rapport à ce que d'autres personnes amènent. Donc, on voit ça sur, on voyait ça sur deux points, communication de base. Donc, on veut dire essentiellement comment se fait la communication avec vos élèves. Est-ce que c'est essentiellement courriel? Certains utilisent Moodle, certains utilisent Teams, d'autres utilisent le téléphone, combinaison de toutes ces choses-là. Et aussi pour la transmission des travaux. Donc, est-ce que vous recevez les travaux papier toujours? Est-ce que vous recevez par courriel? Est-ce qu'il y a d'autres moyens? Le portail de SOFAB, par exemple, des choses comme ça. Donc, on va commencer. Émilie, s'il te plaît, si tu peux y aller. Bonjour, Bonjour Émilie. tout le monde. Moi, je suis conseillère pédagogique au RICI dans la communauté anglophone et j'embarque avec un prof qui va enseigner une classe virtuelle en utilisant Moodle et Zoom. Mais c'est une classe multiniveau. Elle va faire une français et puis une pour l'anglais. Et on a besoin de la communauté pour savoir comment on puisse faire un classe Moodle multiniveau et le bien faire. Est-ce que je peux-tu me permettre une petite question? Est-ce que, avec tout ça, là, tu dis de la communauté, mais est-ce qu'au niveau de votre école, est-ce que vous avez un support là, de l'administration faire ça ou Oui, et on a parlé avec notre boss hier et puis on va engager Stéphane Lavoie pour une journée pour nous venir voir et pour répondre à nos questions. Ce qui nous concerne le plus au moment, c'est on essaie de faire fonctionner les compétences sur Moodle et puis les plans d'apprentissage et les faire communiquer dans le gradebook. Alors, c'est un peu compliqué. Okay. Oui, Danny, c'est à toi. Bon, faire le tour des outils ici dans ma région pour ce que j'en sais. Ici à mon centre, c'est beaucoup par téléphone puis inviter les élèves à être présents, mais le suivi se fait par téléphone. J'avais mis en place une plateforme VIA qui est toujours ouverte, le personnel ici roule un peu, donc là, les nouveaux ont pas pris voyons, l'utilisation de cet outil-là, mais j'avais une enseignante qui utilisait cet outil-là pour pouvoir parler à distance avec certains élèves, mais sinon, c'est beaucoup par téléphone. J'ai un centre à Rouyn-Noranda qui, eux, ont commencé à monter leur plateforme sur Moodle, où l'élève passe par là, c'est leur désir, passe par là pour s'inscrire donc au cours qui doit suivre. Et puis au fil du temps, les enseignants vont, là, ils ont comme mis plus
des outils, c'est pas un cours en ligne complet, là, c'est plutôt des outils de base pour guider l'élève dans sa démarche, mais ça va se complexifier, ça va s'enrichir au fil du temps. Alors ça, c'était au centre à Rouen. Donc, c'est soit beaucoup par téléphone ou par quelques outils en ligne que l'élève peut utiliser selon ce que les équipes ont pu mettre en place. C'est ce que je pense actuellement. Je sais que je vois qu'il y a une collègue de Lac-Témiscamingue. Eux autres, ça semble être beaucoup être en ligne, puis du soutien en ligne aussi. Elle pourrait intervenir si elle veut. C'est ce que j'en sais par rapport à ma région. Parfait. Merci, Danny. Merci. Karine, je vois encore la main levée. Est-ce que tu as trouvé la solution à ton problème ou c'est que tu as... Ben, je Ah, pense que là, voilà. ça c'est correct. Parfait, parfait, parfait. On t'entend très bien. Moi, dans le fond, je travaille en formation à distance et en formation en ligne. Donc, j'utilise un peu différents médiums selon les élèves que j'ai. Pour la formation à distance, j'utilise beaucoup le courriel comme communication de base, autant pour celle en ligne que celle en personne. J'ai des collègues qui utilisent le téléphone aussi, mais pour ma part, c'est vraiment plus le courriel. Pour la transmission des travaux, en formation à distance, l'élève vient en classe, donc on le fait papier. Puis pour la transmission des travaux en FADEL, on utilise différentes techniques. À la base, on était avec les communautés ou du groupe. Par contre, c'est plus ou moins user-friendly pour les élèves. Donc, depuis 2 ans, j'utilise beaucoup le Drive avec les élèves qui sont déjà habitués. Puis, on est en train de mettre en place une façon pour que vraiment les élèves passent par le Drive de la commission scolaire pour déposer leurs travaux. Mais pour l'instant, c'est soit le Drive ou le courriel pour, comme certains disaient, là, par CamScam pour corriger les travaux en ligne avec eux. Parfait. Merci, Karine. Oui, c'est Mathieu Ouellette qui a posé une question là, à propos de CamScan. Je pense qu'il y a des interrogations. Office Lens, j'imagine qu'il se demandait si c'était du même style. Je sais Ouais, pas. ben moi ce que je vous proposerais, on pourrait peut-être faire le tour, puis peut-être laisser une petite période de questions à la fin. Peut-être qu'il y a des réponses qui vont apparaître en même temps ou des choses qui vont se répéter. Je sais pas. Ça pourrait. On peut y aller comme ça. OK, je vais te laisser la parole, Nancy. Oui, bonjour. Moi, je viens de la commission scolaire du Lac-Témiscamingue. C'est pour faire un suivi avec Dany Germain qui vient de présenter là, certaines actions que nous on fait ici. On offre la formation à distance avec la plateforme Challenge You. On a environ bon 2 000 quelques élèves là. C'est sûr que la communication se fait directement sur cette plateforme-là. Et il y a un support aussi technique là, qui est offert là, par Challenge You. Moi, j'enseigne la formation à distance en maths-sciences. Je communique le plus souvent par courriel, beaucoup par texto. C'est très efficace par texto. Fait, là, je veux développer FaceTime, quelque chose de très rapide, très accessible là, pour mes élèves. En tout cas, je trouve que c'est ça, c'est le plus rapide là, pour les rejoindre. Puis même pour partager des travaux, faire des photos, beaucoup de photos là, des travaux. Envoie-moi ta photo, je te le corrige, je te le renvoie par photo. Je fonctionne comme ça actuellement. Est-ce que Marie-Josée, est-ce que tu veux tenter ta chance à nouveau? Je crois que tu es revenue avec nous. Moi, dans le fond, c'est ça, on utilise beaucoup le courriel, mais on fait aussi beaucoup de synchrone avec les élèves. Puis là, présentement, on utilise la plateforme WebEye qui était avant Appirium. Puis, je voulais explorer la plateforme Zoom. Je ne sais pas s'il y en a qui utilisent cette plateforme-là parce que je suis allée visiter des classes virtuelles au collège. C'est ce qu'ils utilisent. Puis, point de vue prix versus par rapport à VIA, exemple, là, on avait des bons commentaires. Fait que je me demandais s'il y en avait qui utilisaient ça. Bien, il y a Émilie tantôt là, au début qui a mentionné là, justement qu'elle faisait une classe virtuelle puis qu'utilisait Zoom ou qui prévoyait l'utiliser. Là, je suis pas sûr si ils ont si, pour de toute façon pour intervenir peut-être si Ouais, je vais pouvoir communiquer avec elle sans problème. Merci. Est-ce que j'ai d'autres intervenants? Sinon, pour on disait tantôt, je vais laisser quelques secondes là, pour Si... Ah, bonjour Claudine, je viens de voir que tu viens d'apparaître dans les...
dans la liste des participants. Oui, Marie-Noël, je vais te laisser la parole. Mais moi, je me demandais, parce que la personne qui a parlé précédemment avec Challenge You, est-ce que c'est les cycles des adultes qui sont utilisés? Oui, non, comment est-ce qu'ils sont financés? Je trouve ça, ça me questionne. Nancy qui a amené ce point-là. Ça serait peut-être intéressant, même à un moment donné, peut-être que ça pourrait même faire partie d'une prochaine réunion, de peut-être nous faire un petit aperçu de comment vous fonctionnez avec Challenge You, parce que je ne pense pas qu'il y a beaucoup de monde là, qui utilise cette plateforme-là, à moins que je me trompe. Mais Oui, vas-y, Nancy. Actuellement, je pense qu'on est rendu 4 commissions scolaires là, qui enseignent sur cette plateforme-là. Au niveau du financement, là, bon, c'est une excellente question là, et pour laquelle je ne suis peut-être pas en mesure de répondre là, le plus complet, le plus précisément possible. C'est sûr que les élèves sont financés là, par le ministère. Là, donc, chacun on inscrit nos élèves, les élèves là que et c'est Challenge You qui répartit les élèves là dans les 4 commissions scolaires. Et nous on reçoit le financement à la suite de l'inscription là des élèves par le ministère. On offre pas toutes les sigles du secondaire. Là actuellement en mathématiques on offre les mathématiques de 3e secondaire et de 4e secondaire, mais pas les mathématiques là SN. Et éventuellement, on va offrir anglais de secondaire 4 et secondaire 5, si je ne m'abuse. Et on offre français de secondaire 5 actuellement. Donc, c'est ça. Là, c'est sûr que je ne suis peut-être pas à jour dans toutes les infos parce que je n'enseigne pas sur la plateforme. Là, donc, je vous donne ces informations-là, mais c'est sous toute réserve. Là. En gros, là, c'est les informations que je peux vous transmettre actuellement. Donc, j'imagine que les élèves qui sont là-dessus doivent faire une combinaison un peu des services. Là. Ils font une partie de leur parcours sur Challenge You, mais doivent forcément faire une partie aussi sur pour les sigles qui ne sont pas offerts par Challenge You, ils doivent les faire autrement ou c'est… Oui, effectivement. Là. C'est sûr que je n'ai pas de suivi avec ces élèves-là. Là. Mais effectivement, là, ils doivent compléter leur parcours là, d'une façon soit s'inscrire en présentiel dans un centre de formation ou s'inscrire à distance là, traditionnellement là, dans le centre. OK, c'est ce que ça veut dire, c'est dans le fond, à part les élèves qui auraient juste les sigles ciblés par Challenge You, les élèves, mais est-ce que vous faites des combinaisons? Est-ce que les élèves sont soit sur Challenge You ou soit… dans le système, soit en classe ou par courriel ou peu importe. Nous, il y en a actuellement que j'ai moi en présentiel qui sont sur Challenge You, donc qui utilisent la plateforme sur okay. Challenge You. Oui. OK. Donc, ils combinent les deux services. Okay. Oui, c'est exactement. Intéressant. On avait des questions, c'est ça, à propos. Donc, Challenge You est donc adapté pour les sigles du secteur des adultes. Et Marie-Noël posait la question. Donc, un peu Claudine qui répond que c'est Diplomatique, en gros, qui offre une plateforme avec Challenge You pour la FGA. Pour l'avoir déjà essayé, effectivement, là, ils ont créé des cours vraiment à partir d'un sigle. Ils ont créé un cours complètement avec des vidéos, des capsules vidéo, de la théorie, des exercices. Donc oui, c'est créé de A à Z là, avec les sigles des adultes. On pourrait prendre ça en note, par exemple, juste voir s'il y a un besoin, s'il y a une demande. Peut-être qu'on pourrait regarder, voir si quelqu'un qui l'utilise aurait quelque chose à venir nous présenter, voir, parce que je sais que c'est tout le temps quelque chose qui est un petit peu méconnu là, par la plupart, incluant moi. Là, donc, ça pourrait être intéressant d'avoir plus de détails plus précis. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient intervenir, ajouter des choses dans notre liste? Je ne sais pas si peut-être que tout le monde est déjà passé. Je n'ai pas fait une. Je ne vois pas la liste exhaustive. On a une petite question. Ouais, on a une petite question de Marie-Noël qui demande quel est le rôle de l'enseignant avec Diplomatique. Je ne sais pas si Nancy est capable de répondre. Donc, c'est ça. Les élèves bon,
font leur sigle là, via là, tout le matériel là, qui est vraiment inclus sur la plateforme. Et quand ils ont des questions, bien, on a un groupe, nous, de 5-6 enseignants qui sont continuellement sur la plateforme et répondent aux questions des élèves ponctuellement. Là, et tout ça, ils font des suivis avec les élèves là, par rapport aux questions qu'ils ont. Et ils font des suivis pédagogiques aussi pour les relancer, pour les motiver là, à poursuivre leur objectif. Et quand l'élève est rendu à 85 % de son parcours sur la plateforme, dont son cours, son sigle, donc là, il va avoir un répondant qui va vraiment le suivre. Là, c'est un peu comme un tuteur, si vous voulez, là, qui va le suivre là, pour vraiment là, qu'il soit bien préparé, qu'il finalise au niveau de l'apprentissage, qu'il reçoive là, l'enseignement là, pour bien se préparer à l'évaluation finale. C'était juste pour compléter en disant qu'il y a 2 ans diplomatiques qui sont venus en Abitibi-Témiscamingue pour voir les directions de centre, pour créer un partenariat. Et là, c'est l'Acte Témiscamingue, la commission scolaire, qui a accepté ce partenariat-là. Donc, là, c'est eux qui vivent cette expérience-là. Il y avait à Val-d'Or aussi, les enseignants ont été intéressés, je ne sais pas si c'est l'an passé ou il y a 2 ans, mais je pense qu'il n'y a pas eu de suivi là-dessus. Mais c'est vraiment un partenariat entre la commission scolaire et l'organisme là, diplomatique. Ça permet aussi au centre de financer leur personnel qui sont impliqués dans cet enseignement-là. Merci. Alors, comme nous, dans notre région, on a une baisse de clientèle à cause du plein emploi, bien, ça peut, à ce moment-là, soutenir certains centres. Voilà. OK. Mais comme je disais tantôt, là, on pourrait peut-être regarder, là, voir s'il y a un intérêt, peut-être que pour une prochaine réunion, là, pour essayer d'avoir une personne là, qui l'utilise. Peut-être essayer de contacter ces enseignants-là qui sont sur cette plateforme-là à plein temps. Peut-être serait peut-être intéressant de voir vraiment là, dans le jour à jour là, comment ils l'utilisent, comment ça fonctionne. C'est, comme je disais tantôt, c'est très nébuleux pour la plupart. Il y a Anthony Massicotte-Aran, qui est mon collègue, là, qui aussi là, s'est inscrit sur la liste après-cours, là, qui lui ne pouvait pas être présent aujourd'hui, mais je pense qu'il pourrait être très, très d'accord à vraiment partager là, sa pratique d'enseignement, à vous partager, je suis sûr que tu serais d'accord. Oui, de toute façon, je pense qu'on a ses coordonnées dans le tableau, donc j'essaierai de le contacter. Merci, Nancy. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans le chat directement, Stéphane? Oui, il y a une question de Céline qui a été répondue. Là. Ben, en fait, elle se demandait si le tuteur était un enseignant de la commission scolaire ou un employé de Challenge You. Puis Dany a répondu que c'était un enseignant de la commission scolaire selon une entente. En attendant, pour ceux qui... Il y en a peut-être là, qui n'ont pas ajouté, là, des fois, ce n'est pas tout le monde qui sont à l'aise de s'exprimer au micro, surtout la première fois si vous venez à la réunion. Le tableau, de toute façon, la plateforme, l'ordre du jour, et c'est un outil que tout le monde peut aller écrire dessus. Je vais prendre transformer ça en petit tableau, donc ça serait quand même intéressant que vous alliez inscrire vos choses. Le but, c'est éventuellement de faire un gros portrait, puis en cours d'année, là, de ramasser tout ce qu'on sait. Comme ça, on peut aussi avoir les coordonnées de certaines personnes. Si on veut les contacter, par exemple, Challenge You, on a des personnes qu'on connaît qui utilisent ça, donc c'est plus facile de se faire une idée de qui utilise quoi et qui contacter si jamais on voudrait avoir des informations. Bon, le prochain point que j'ai mis, c'est pas un point qui a besoin d'être tellement long. La dernière fois, on avait parlé, pour ceux qui n'étaient pas là, on avait parlé de la possibilité de faire des rencontres FAD, mais séparées, mais par matière. Parce que quand on fait nos après-cours, c'est évidemment, le problème qu'on rencontre parfois, c'est que si on tombe trop spécifiquement dans un cours en particulier, ben évidemment, si on parle pendant 15 minutes d'un problème spécifique aux maths ou aux sciences, ben c'est pas tellement intéressant pour les enseignants de français. Donc, on essaie toujours de garder ça le plus possible général, formation à distance en général. Donc, ce qu'on avait lancé comme idée, puis moi, je suis très intéressé à embarquer là-dedans, là, s'il y a des intéressés, c'est de faire des rencontres par matière FAD. Évidemment, dépendamment de l'intérêt, il faudrait regarder éventuellement aussi de l'organisation, là, mais la première étape,
finalement, c'est de savoir s'il y a des gens intéressés. Évidemment, ça prend pas, je pense pas que ça prend des gros groupes. Ça peut être 3-4 personnes. Moi, je verrais quand même quelque chose qu'on peut partir assez rapidement, là, s'il y a un intérêt. Le but, c'est évidemment, par matière, ben là, forcément, on devrait avoir pas mal les mêmes problèmes. Donc, tout ce que je veux là, à cette étape-là, c'est voir si, y a un intérêt, si peut-être qu'il y en a qui ont des suggestions auxquelles je n'ai pas pensé. Et puis après ça, on pourrait remplir, simplement écrire, pour les intéressés, écrire vos noms dans l'ordre du jour. Puis je pourrais peut-être me nommer volontaire pour essayer de regrouper un petit peu là, les gens intéressés par matière. Donc, oui, peut-être par rapport à ça, par exemple, évidemment, question de ne pas me... Ça serait peut-être intéressant aussi, moi, je suis spécifiquement maths et sciences. Je ne suis pas sûr que j'ai l'énergie et le temps pour m'occuper de 3-4 matières différentes. Donc, ça serait peut-être intéressant aussi, là, pour... s'il y a des gens qui sont intéressés, peut-être à chapeauter ça, là, s'il y a un petit groupe qu'on peut former. Ce serait peut-être intéressant de vous manifester ou moi, j'essaierai de contacter les personnes dans chaque matière. Mais ce qu'on va faire là, pour l'instant, comme je disais, c'est pas nécessaire que ce soit pendant la réunion. Si vous connaissez d'autres enseignants que ce genre de système-là qui sont en FAD et que ça pourrait intéresser, peut-être venir leur dire de nous contacter. Évidemment, il va peut-être y en avoir qui vont voir cet enregistrement-là par après. Donc, il y a peut-être des noms qui vont apparaître. Mais moi, je laisserai une couple de semaines. Moi, j'aimerais ça que si on est pour faire quelque chose avec ça, ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait faire assez rapidement là, peut-être au mois de janvier même. Je ne pense pas que ça demande une organisation très compliqué. Là. C'est pas, ça peut être assez informel comme réunion, en autant évidemment qu'on cible de certains besoins. Donc, on va laisser le point ouvert dans l'ordre du jour. Donc, je ne sais pas, à part Marie-Noëlle qui avait le pouce en l'air, est-ce qu'il y en a qui ont des suggestions, des commentaires par rapport à ces rencontres-là? Je sais qu'il y en a qui ont déjà commencé à inscrire leur nom dans le document collaboratif. Je vais remettre le lien dans le clavardage. S'il y en a qui veulent aussi aller ajouter leur nom, je vois qu'il y a déjà une personne pour les maths, une personne pour le français. Donc, il y a déjà des gens qui commencent à signifier leur intérêt. Puis évidemment, là, moi, je vois que quelqu'un a rajouté en anglais, ça doit être pour toi, Stéphane, mais vous pouvez certainement rajouter une autre matière. Là, s'il y en a qui font info, là, je ne sais pas si on a un assez grand auditoire pour être capable de regrouper plusieurs personnes dans des matières un petit peu plus obscures, mais on peut quand même essayer. Assurez-vous, pour les personnes qui rajoutent le nom, par exemple, je vous demanderais juste d'être sûr qu'en quelque part, je peux retrouver votre courriel. Donc, être sûr d'avoir un tableau vert en dessous de l'ordre du jour. Il y en a la plupart ont déjà rempli à la dernière réunion, mais ça serait important que vous puissiez m'inscrire vos coordonnées. De toute façon, j'aimerais ça que vous le fassiez de toute façon, mais si vous mettez votre nom dans la petite liste, si je veux que je sois capable de vous rejoindre, ça serait important que j'ai votre adresse courriel. Sinon, il y a Céline qui dit qu'elle va informer ses enseignants. Elle est CPFAD. Claudine qui pose la question. Il est possible de se rassembler autour d'une compétence, style compétence à l'oral. En fait, c'est plus un point. Là. Donc, oui, effectivement, ça pourrait être regroupé anglais-français pour la compétence orale. Il y aurait peut-être aussi ça. Absolument, c'est intéressant. En réalité, moi, ce que je vois là-dedans, c'est quelque chose de vraiment informel. C'est le besoin qui pourrait dicter la structure, dans le fond. Là. Si, il y a aussi Richard, notre ami Richard, qui propose qu'on pourrait réserver une quinzaine de minutes à la fin de chaque rencontre. Donc, de façon informelle, ça peut être aussi des petites rencontres à la fin de nos après-cours. Je ne sais pas si ça peut être une formule qui pourrait aller pour les gens. Comme je laisse le tableau ouvert. Je vais peut-être laisser un petit peu, au moins jusqu'à temps que la réunion soit diffusée en ligne, laisser un petit peu de temps à ceux qui... à ceux qui vont peut-être voir la réunion après coup et qui voudraient ajouter leur nom. Mais on peut quand même, s'il y a suffisamment de noms, je vais quand même commencer à contacter quelques personnes. On peut quand même déjà penser à comment on veut organiser ça, comment on veut arranger ça. Ben c'est concernant le partage d'outils technologiques. Ah, OK. C'est le bon moment? Oui. Oui, okay. Non, mais c'est pas, je reviendrai avec, pendant que tu es là, on va t'écouter.
Alors donc moi j'utilise Explain Everything depuis un certain temps avec mes élèves, avec plusieurs d'entre eux, puis ça fonctionne très bien, j'ai des bons retours de leur part, ils aiment ça. C'est convivial, c'est facile à utiliser. Moi, je n'étais pas une pro techno, puis j'ai pu me familiariser rapidement avec ça. Ça crée des documents vidéo qui sont quand même assez lourds, donc je me suis créé une chaîne YouTube pour les déposer, puis j'envoie le lien par courriel à mes élèves. Et ça fonctionne très bien. Donc, c'est un bon outil là, que je suggère à d'autres. Et ma collègue Geneviève, toi, tu utilises Geneviève Classroom. Oui, moi, en français, je travaille avec Classroom. J'ai monté des classrooms pour chacun des sigles. La problématique qu'on a, nous autres, c'est toujours en oral. Donc, ils doivent faire des devoirs en pratique vidéo. Donc, ils doivent prendre une vidéo avec leur cellulaire, le mettre sur le drive et me le partager. Je vais vous dire que c'est assez compliqué. Un coup qu'on l'a fait une fois, là, ça fonctionne, mais c'est vraiment compliqué là, pour les élèves de comprendre le principe. Mais sinon, c'est la première fois qui est le plus dur, là. Marie-Noël, j'étais juste curieux. Là, quand tu parlais, j'ai manqué l'outil que tu as mentionné, là, le nom Explain Everything. Essentiellement, est-ce que c'est une plateforme pour créer du vidéo? Oui. Okay. Ben donc, moi, ce que je sais, c'est que j'utilise les travaux de mes élèves. Je les transfère sur Explain Everything. Puis là, je peux écrire dessus, mettre ma voix dessus. Je peux ajouter d'autres documents, des liens Internet. Bon, c'est à peu près infini comme possibilité, les rétroactions que je fais avec Explain. Puis je l'utilise aussi pour faire des capsules d'enseignement explicites qui vont être pour tous les élèves d'un même sigle, là, dans une moindre mesure. Fait que ça me permet de faire des rétros individuels, puis aussi des bonus pour tous. Ça se peut que je te contacte pour avoir plus de détails si je trouve ça intéressant. Moi, personnellement, je n'ai jamais utilisé ça. Là. C'est la première fois que j'entends le nom. Là. Mais ben, c'est souvent ça avec les outils. C'est pour ça que l'idée du partage, un peu, c'est ça. Il y a beaucoup d'outils souvent qui font des choses semblables. Un utilise une chose, mais des fois, ça peut être intéressant de regarder, de dire, oh, ouais, finalement, ça fait peut-être un petit peu mieux que ce que j'utilise. Puis quand on parlait, j'allais juste finir ce que j'allais dire tantôt, c'est ce que je parlais, le but de ce genre de partage-là aussi, c'est qu'il y a quelqu'un qui est intervenu tantôt, qui a mentionné qu'il y avait des nouveaux enseignants. Ben, malheureusement, c'est une problématique associée à la FAD, qu'il y a beaucoup de roulement d'enseignants. Donc, puis souvent, les enseignants de FAD sont des nouveaux enseignants qui, déjà en partant, n'ont pas beaucoup d'expérience avec les programmes, donc en plus doivent faire avec les difficultés. Donc, de là l'intérêt là, de partager le plus possible les outils qu'on utilise et surtout aussi d'avoir des contacts pour être capable, là, si on veut peut-être avoir des informations un petit peu plus au sujet de chaque outil, on peut le faire. Simon, oui, je vais te laisser la parole. Bonjour tout le monde, Simon Martin, collaborateur Campus Récit en ce moment avec Stéphane Lavoie. Ancien FD, il y a quasiment 20 ans, j'ai fait 7 ans de FD il y a 20 ans, puis j'avais mon propre site Internet dans le temps. C'est moi qui ai amené à Sylvain et Claudine l'idée de faire un cours d'accompagnement pour les gens de la FAD, là, parce que je me dis, justement, on ne sait pas comment utiliser les outils, mais si on se ferait des capsules, des petites capsules d'informations, comment utiliser un outil, puis on les mettait disponibles à quelque part pour que tous les nouveaux qui arrivent en formation à distance ou même les anciens qui ne savent pas comment utiliser, pourraient utiliser. C'est pour ça que j'avais approché un petit peu là, Claudine pour peut-être un cours, une formation sur Campus Récit qui serait disponible à tout le monde, qui pourrait aller se former, aller vérifier nos possibilités, là. Mais en fait, ça pourrait être intéressant justement dans ce genre de partage-là. C'est là aussi qu'on peut amener un intérêt, là, dire « Ah, bien, peut-être que j'aimerais ça, moi, savoir comment fonctionne cet outil-là et tout ça. » Fait que juste le fait de partager, justement, ça peut amener des besoins qu'on savait même pas qu'on avait, finalement. C'est beau. Bien, c'est une façon de rejoindre plus de monde aussi. On est tous dispersés en formation à distance. Hein? Exactement. Tout le monde est dans des systèmes administratifs différents. C'est souvent ça. C'est souvent le système auto qui dicte les outils qu'on peut utiliser aussi. Là. Enfin, je vois, moi, qui utilise des outils que moi, je n'aurais pas accès juste en termes d'argent, finalement. Oui, je vais laisser Karine, je vais te laisser la parole. Pour ma part, un outil qui a vraiment changé ma façon d'enseigner en FADEL, c'est l'outil PDF Exchange Viewer, qui est un logiciel autoportant, donc on n'a pas besoin de l'avoir sur son ordinateur, donc on n'a pas besoin de passer par la commission scolaire pour l'avoir sur son ordinateur. Puis c'est un outil qui est gratuit généralement, là. C'est sûr qu'il y a des options avancées qui peuvent être payantes, mais la version gratuite est déjà assez efficace.
Puis ça permet d'annoter, de corriger, de laisser des traces sur la copie de mon élève, un peu comme je le ferais à la main. Donc, je peux surligner, encadrer, ajouter des commentaires, mettre des petits icônes, des petites checklists, des choses comme ça. Donc, ça va vraiment bien pour moi en formation à distance en ligne. Ça me permettait de laisser des traces de ce que je dis à l'élève pour que quand il s'auto-corrige, ben il se rappelle « Ah oui, c'est ça qu'elle m'avait dit, c'est ça que je dois ajouter. » Donc, ça, pour moi, ça l'a vraiment aidé beaucoup de choses. Donc, si jamais il y en a qui ne connaissaient pas… C'est un outil incontournable pour moi, en tout cas. Je sais qu'il y a d'autres logiciels qui font la même chose, mais celui-là est intéressant pour ça, comme il est gratuit et qu'il ne nécessite pas une approbation comme son scolaire. Ben, c'est un point. J'imagine que la plupart, vous êtes dans la même problématique, effectivement, que c'est des outils qui demandent droit d'administration. C'est très difficile. En tout cas, par chez nous, c'est difficile. J'imagine que ça doit... Chez nous aussi. Oui. Je pense que c'est assez commun comme problème. Merci. Oui, c'est un autre morceau que je vais aller explorer personnellement, en tout cas. Donc, je ne sais pas si ça va donner des idées à d'autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait intervenir? En même temps, ça peut facilement. Ce n'est pas obligé d'être des outils que vous-même vous utilisez. Vous avez votre collègue à côté là, qui utilise quelque chose. Ça peut être n'importe quoi qu'on peut partager, peut être intéressant, là, parce que ça peut donner, comme je dis, des fois, c'est d'aller explorer des petites choses qu'on ne connaît pas, puis là, en même temps, on a des ressources, donc peut-être si vous voulez avoir quelques petites informations de plus sur certains outils, vous avez les contacts pour le faire dans notre petit tableau. Il y a Martin qui a dit qu'il a mis le lien pour le logiciel PDF Exchange Viewer dans notre document collaboratif. Super. Donc, ceux qui sont intéressés pourront aller voir. Puis aussi, il y a habituellement Richard qui fait un très bon travail pour recenser les outils dans qu'on discute dans les communautés. Là. Donc, si vous allez sur le site des après-cours, on peut les retrouver. Ou sinon, dans nos documents collaboratifs, j'ai essayé de prendre en note pas mal tous les outils qui ont été nommés. De toute façon, vous devriez les retrouver. Stéphane, c'est juste, on pourra refaire peut-être faire du ménage un peu là-dedans, justement, en espérant, de toute façon, qu'il y en ait d'autres qui assistent peut-être la réunion en asynchrone, là, qui pourraient ajouter, ou d'autres qui viennent tout d'un coup un éclair de génie, des petits outils qu'ils n'ont pas pensé. Je vais laisser Claudine. Encore drôle quand je dis ça. J'ai l'impression que c'était dans l'autre sens l'an dernier. Il n'y a pas tellement longtemps. Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Claudine Jourdain, je suis au Service national de la formation à distance pour la formation générale des adultes depuis un an maintenant. Donc, nouveau service pour vous accompagner puis vous permettre de mieux vous former et réseauter et tout. De façon à permettre mon intervention, là, elle est très pointue, là, c'est simplement, justement, je vois la liste des outils qui se forgent au fur et à mesure des citations de tout le monde, et l'intervention tout à l'heure de Simon qui faisait un appel à tous, dans le fond, pour accompagner le développement des compétences à l'utilisation des outils à travers Campus Récit. Si on créait, à la suite de la rencontre, peut-être un petit tableau que tout le monde pourrait continuer de renseigner au fur et à mesure des communautés et même entre ça, de façon à permettre à peut-être Simon et à toi, Sylvain, là, de s'enligner vers la QFGA avec déjà un matériel intéressant. Et ça nous permettrait de peut-être noter qu'est-ce qui est gratuit, qu'est-ce qui demande une licence et dans quel contexte nous on l'utilise. Donc, un même outil peut être utilisé d'une certaine façon en mathématiques et complètement différemment dans une autre discipline. Puis pourtant, c'est le même outil et peut-être la même licence. Donc, un double avantage pour un investissement dans certains cas. Donc, si on finit la rencontre avec un tableau déjà en production, bien, je pense que plusieurs personnes vont être gagnantes. Pour la consultation, ça va la faciliter aussi. Merci beaucoup. J'ai pris en note l'idée du tableau. Là. On va le construire bientôt. J'ai essayé de fermer mon micro puis je parlais de ça. J'allais dire à Claudine que je pense que je vais mériter un deuxième carton jaune parce que j'ai je pense que l'idée, c'était qu'on devait laisser une petite plage à Claudine pour intervenir au début, pour faire le lien aux besoins. Puis je me rends compte qu'on a oublié de le faire. Donc, en plus de ne pas me présenter,
Mais on se fera, on mettra ça en note, Stéphane, pour la prochaine fois. En fait, je l'écris tout de suite. Donc, mais comme Claudine disait, c'est une très bonne idée. Encore là, c'est un peu le même principe que tout à l'heure. Mais vous voyez que le thème, ben, aujourd'hui, mais en général, c'est partage des outils. Comme on disait tantôt, tout le monde est un petit peu chacun dans son coin. C'est important qu'on les partage, les outils, à savoir qu'est-ce qu'ils font eux autres ailleurs. Je ne sais pas que se rendre compte que les problématiques qu'on a d'un côté, mais sont les mêmes un petit peu partout. Puis c'est intéressant de voir les solutions qu'on peut retrouver. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait intervenir dans cette section-là? De toute façon, comme je disais tantôt, je vais vous inviter ensuite à le remplir, là, le tableau va rester là, on va probablement l'organiser un petit peu mieux, là, un petit peu plus clair, mais puis peut-être que ça pourrait être intéressant là, pour ceux qui sont là aujourd'hui de peut-être venir le consulter même un petit peu plus tard. J'espère qu'il y en a peut-être des gens là, qui vont écouter la rencontre un petit peu plus tard, qui vont peut-être sentir à l'aise de rajouter des choses. Parfait. Stéphane, toi, tu avais quelque chose à ajouter ici? Non, là, je sais qu'il y a Marie-Noël qui parlait de NoteWriter avec iPad, puis du crayon Apple Pen pour la correction en français. Donc, je l'ai inscrit dans... Elle disait aussi qu'elle avait la chance d'avoir un excellent soutien de sa direction en ce qui concerne le développement pédagogique technologique. Donc, dans certains centres, on est plus chanceux que d'autres. Oui, en tout cas. Appréciez-le parce que ici, malheureusement, c'est les enseignants de FAD qui doivent fournir le soutien technologique au reste de l'école. Donc, soyez chanceux. Ben moi, je n'ai rien mentionné, mais effectivement, je pourrais peut-être prendre mon petit 30 secondes là, pour. Évidemment, ben là, Marie-Noël parlait de iPad et du petit crayon. Et effectivement, ça ressemble un peu, là, je pense, à ce que Karine disait. Moi, c'est un petit peu un outil personnel, donc c'est difficile de partager comme un outil qui est facile à utiliser. Parce que moi, j'ai une petite tablette qui est essentiellement une Galaxy Note qui permet d'écrire. Donc, c'est ça aussi, là, les élèves m'envoient leurs devoirs en PDF, puis moi, je peux les corriger directement dessus et leur renvoyer directement en PDF sans qu'il y ait de papier, finalement, dans tout ça. Donc, ça peut être intéressant. Puis, ce que je trouve intéressant, je ne sais pas pour la plupart, je ne sais pas s'il y en a qui vont souvent servir de ça, mais je trouve intéressant qu'en ayant des fois des versions numériques, des guides, parce que généralement, je pense qu'on a accès, qu'on peut facilement inclure une petite capture d'une petite partie d'une explication dans le livre, au lieu de dire à l'élève d'aller à telle page, là, voir telle chose en bas de la page, bien, on fait juste le découper, puis on peut tout de suite l'inclure dans l'explication. Donc, ça, c'est des petits outils qui peuvent servir aussi. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses? S'il n'y a rien d'autre dans le chat, je vais peut-être laisser une couple de secondes si quelqu'un d'autre veut se manifester. Sinon, on va passer à notre prochain point. En termes de rencontres matières, forcément, des sigles qui causent problème mais vont être spécifiques à chaque matière. Donc, à cette étape-là, ça serait peut-être bon de vraiment faire une petite liste et peut-être d'amener éventuellement là, ça en discussion au moment où on organisera nos rencontres par matière. Évidemment, quand on dit c'est qui cause problème, c'est peut-être plus en fonction on pourrait dire que d'une certaine façon, avec le renouveau, toutes les cycles causent problème, mais il y a probablement certains qui sont en particulier un petit peu plus problématiques que les autres. Je pense aux oraux en français peut-être, ou en anglais, puis aux sciences avec les laboratoires. Oui, donc moi, je suis enseignante de français, donc c'est sûr que pour moi, ce qui est le plus difficile dans le renouveau, c'est vraiment la discussion dans les oraux. Donc, les oraux doivent se faire avec des participants, 5 personnes différentes qui doivent être présentes en même temps pour pouvoir discuter avec l'élève. Donc, il y a toujours comme c'est le soir, bien, il y a toujours des élèves qui se désistent à la dernière seconde, qui ont un imprévu, qui ne peuvent pas. Donc là, l'année passée, on se complétait entre collègues. Donc, des fois, j'appelais des collègues dans leur classe. « Hey, tu peux-tu participer à mon oral? » Donc, on se dépannait comme ça, mais c'est vraiment difficile. Cette année, on n'est pas les mêmes soirs, donc c'est un défi pour nous, les oraux, cette année. Mm-hmm. Et l'année passée aussi, mais...
En fait, souvent, je pense que la problématique vient du fait de l'auditoire, là, c'est ça, là, c'est d'avoir Oui, l'auditoire. oui, oui. Puis Mais puis c'est au-delà d'un auditoire, c'est des gens qui doivent participer, c'est des gens qui doivent discuter. Donc, ça ne peut pas être la petite fille de mon élève ou le petit gars de 5 ans. Ou... Il faut que ce soit des gens qui soient capables de répondre, de débattre, d'apporter des arguments, ce qui n'est pas toujours simple. Oui, puis en fait, ben, je trouve ça intéressant que tu mentionnes la petite fille et tout ça, parce qu'on a eu quelques cas ici où certains profs ont eu l'idée de dire, ben, dire à l'élève, arrive avec des personnes, comme ça, tu auras déjà un groupe et tout ça. Puis finalement, je pense qu'ils ont discontinué l'idée parce qu'à un moment donné, on arrivait avec des. Moi, j'ai pas été témoin là, de ces évaluations-là, mais qu'on arrivait avec des discussions qui étaient essentiellement déjà scriptées, avec des questions déjà arrangées à l'avance, donc il n'y avait plus aucune spontanéité. Donc. Exactement. J'ai fait aussi des essais-erreurs. Là, ma première élève en FADEL, c'était avec sa famille. Puis, les personnes n'osaient la contredire. Personne n'osait parce qu'il n'y avait peur de jouer sur la note ou je ne sais pas trop. Là. Donc, ça a été une discussion un peu platonique, loin d'être naturelle. Oui. Bien, là, je ne suis pas au content du contenu là, du domaine d'examen, mais j'imagine que le fait que l'élève s'ajuste à la discussion doit faire partie un peu de son évaluation, j'imagine. Évidemment. Donc, merci, Karine. La discussion est en cours toujours sur le litigieux passage d'examen à l'oral en distance. Je ne sais pas si Marie-Noël c'était sur ce sujet-là qu'elle voulait intervenir, mais il y a eu des commentaires dans le clavardage qui, à mon sens, à moi, nous fait voir qu'on va avoir peut-être besoin de revenir sur ce point-là, de se faire accompagner encore pour l'approfondir. La première rencontre, il y avait aussi notre collègue Laurent de la communauté en français qui était venu se pointer pour nous parler justement de cette discussion-là qui laissait des traces dans sa communauté en français par rapport à la pratique en formation à distance et du questionnement qui a toujours cours sur ce qui est permis par la sanction et ce qui se vit en pratique. Je pense que c'est un sujet que si vous réussissez à avoir les conversations en discipline, que ça va peut-être pouvoir nous permettre d'aller répertorier des usages, des pratiques. Il y en a qui ont eu des dérogations, on l'a entendu par l'année passée. Puis ça va informer correctement l'ensemble de la collectivité de façon à permettre de l'équité sur la pratique à travers le Québec. Donc moi, je vous laisse continuer la rencontre. Puis je pense que Marie-Noël avait levé la main. Ce sera à son tour de parler maintenant. Ah, merci. Donc, ça concerne mon intervention ne concernait pas les oraux en français, même si ça suscite beaucoup les passions de ma collègue Geneviève. Moi, c'était plutôt, je posais la question dans le chat, mais je pense qu'elle est tombée inaperçue, concernant la préparation de futures rencontres par matière. Moi, j'aurais beaucoup de choses à mentionner sur les cycles de maths. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut commencer à les répertorier, puis à déjà mettre là des pistes de solutions qu'on a élaborées pour chaque cycle? Mais oui, mon micro. Juste pour revenir aux oraux, je pense que pour aujourd'hui, on va clore la discussion parce que clairement, il est 12h59. C'est pas un sujet qu'on va régler aujourd'hui en une minute. Donc, on va se pencher là-dessus parce que j'ai déjà été à certaines réunions où on a passé une bonne demi-heure, une heure, juste là-dessus. Non, c'est une bonne remarque, Marie. En fait, c'est un petit peu mon point là, d'essayer de regrouper, voir l'intérêt. Puis une fois qu'on aura l'intérêt, bien, peut-être qu'on pourra se faire un petit Google, quelque chose, peu importe la plateforme, là, avec le petit groupe de maths, le petit groupe de français pour justement répertorier ces outils-là. Mais moi, je pense que la première étape, on va commencer par voir l'intérêt, là, voir si. Mais là, déjà, je pense que je voyais déjà au moins 4 noms, je pense, en maths. Puis, tant qu'à moi, c'est suffisant pour amorcer quelque chose. Puis, dans le but que ça fasse des petits, puis qu'on puisse ajouter d'autres personnes en chemin. Je vais prendre des dernières interventions, là, peut-être, parce que là, on va falloir clore bientôt. C'est rapidement, c'est pour répondre à Marie-Noël pour sa question très pointue de savoir où aller placer ses intérêts et sa liste.
Il y a toujours le document, vous y avez toujours accès. Je pense que c'est le meilleur endroit pour ramasser tout ce que l'on dit qu'on échange ici et tout ce que l'on pense à échanger entre les rencontres. Donc, c'est toujours une bonne pratique lorsque vous vous rencontrez en communauté, comme on le fait aujourd'hui, d'ouvrir le document et d'aller aider à ceux qui le renseignent en ajoutant ce que vous avez à apporter ou que vous avez comme questionnement. Ça permet d'organiser les autres rencontres qui s'en viennent. Et donc, pour Marie-Noël, je n'escamote pas ton nom, donc Marie-Noël, en allant dans le document, tu vas trouver l'information où est-ce qu'il y a déjà les rencontres d'ouvertes pour les sujets. Bon, je vois un sujet qui est apparu probablement dans le Varia. Évidemment, on n'aura pas le temps de toucher aujourd'hui. Je pense qu'on va le garder en note pour la prochaine réunion. C'est là la seule chose que je vais mentionner rapidement. Là, j'ai rajouté une petite note pour le pré-congrès FGA, acquis FGA plutôt. Je l'avais mentionné la dernière fois. Ça serait plus, là, on va encore le laisser sur l'ordre du jour. Ça serait plus s'il y a des personnes qui sont intéressées. Là, je pense qu'on va discuter un petit peu de ça bientôt là, pour voir comment on planifie organiser ça. Mais s'il y a des personnes qui sont intéressées éventuellement à s'impliquer, peut-être juste vous signifier votre intention pour qu'on puisse vous contacter. Là, fait que je vais retourner, je pense que je me rappelle bien, avec Karine qui avait mentionné son nom. Donc, voir si c'est encore un intérêt. Mais à cette étape-là, là, il n'y a peut-être pas rien là, d'autre que de nous signifier votre intention là, si vous êtes intéressé par ce processus-là. Stéphane, tu avais d'autres choses à rajouter avant qu'on conclue? Non, il y avait Céline, je ne sais pas si on a répondu à sa question là, avec ce que tu as dit, là, elle a demandé en quelques mots à quoi pensez-vous pour l'acquis FGA. Je ne sais pas si elle parlait de l'acquis FGA, le pré-congrès ou si elle parlait des ateliers. Là, je ne sais pas si on avait répondu à sa question. Oui, ben c'est ça. Là, on parle plus de... à cette étape-là, là, on n'est pas encore dans le contenu là, comme tel. Là, c'est plus de donner vos noms. Là, si vous êtes intéressé éventuellement, là, peut-être à participer à cette organisation-là. Je vais vous remercier. On est encore un bon petit groupe. C'est intéressant. Ça fait, on a grossi même un petit peu, je pense, depuis l'autre fois. On était quoi, 8-9 l'autre fois. Là, on s'est retrouvés, je pense, ça m'a donné une douzaine. Puis comme la plupart sont restés là, ben, je vais prendre ça comme quelque chose de positif. Si on s'était rendu à deux, seulement Stéphane et moi à la fin, je me dirais, bon, il y a peut-être quelque chose qu'il faut réviser. Donc, je vous remercie. Pour ceux qui ont laissé le nom dans les listes là, par matière, attendez-vous, là, d'ici à Noël, là, je vais essayer de voir le regrouper et vous contacter. Assurez-vous que j'ai vos adresses courriel, par exemple, pour ceux qui sont inscrits sur les listes. Invitez vos collègues, autres enseignants FAD, à s'ajouter. Et puis, sur ce, je vais clore la réunion. Et je vous remercie d'avoir été là. Puis, au nom de Stéphane et moi-même, je vous souhaite une bonne fin de journée.